calcule l'intensité d'un champ magnétique homogène B dans lequel un proton se meut à la vitesse de 4 fois 10 exposant 7 mètres par seconde sur une trajectoire circulaire de 40 cm de rayon. Voici ce champ magnétique B qui sort de ce plan de travail. Voici le proton qui se meut à la vitesse V de 4 fois 10 exposant 7 mètres par seconde sur cette trajectoire circulaire de rayon grand R égal à 40 cm, c'est-à-dire 0,4 mètres. Nous cherchons l'intensité magnétique de ce champ magnétique, intensité que nous exprimons en Tesla. Et pour trouver cette intensité, nous allons nous servir de cette formule. Mais pour pouvoir nous servir de cette formule, nous devons connaître la masse du proton ainsi que sa charge électrique. Ce sont deux valeurs bien connues. Pour celui qui ne les connaît pas, on peut toujours demander à la calculette, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Nous avons assez d'informations pour appliquer cette formule, formule de laquelle nous déduisons d'abord que B est égal à M fois V sur la valeur absolue de Q fois R. Maintenant, nous remplaçons le M par 1,67 fois 10 exposant moins 27, le V par 4 fois 10 exposant 7, la valeur absolue de Q par 1,6 fois 10 exposant moins 19, et le R par 0,4. Et c'est ainsi que nous trouvons que le B est égal à 1,04375 Tesla.